Beloved brothers and sisters, the Church is celebrating today the 14th Sunday in Ordinary Time. We are now on July the 7th, 2019. I'm offering some reflections first in English and then in French and very briefly in Creole as well. Clergymen are not the only people that Jesus sends. In today's scripture readings, we see Jesus sending, in addition to the 12 apostles, 70 laymen. And let us take note of the conditions that he sets up front. First, the nature of their mission is to announce that the kingdom of God is near. Yes, the kingdom is easily accessible. God's grace is available. The world needs to know that. You too, beloved reader of this text, you too must be involved in preparing the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. Second, the lay people must go two by two. The gospel demands that people work together. Isolated missionaries tend to be selfish, proud, arrogant. They misrepresent the message. A collaborative spirit is key to the success of the mission. Must work with other people. Thirdly, one must not be anxious about material means. Trust in divine providence must be your only assurance, the treasure you rely on in the first place. Evangelization is not a business. Fourthly, do not be turned off or frightened by the prospect of insult, ridicule, and persecutions from those who will reject the message. Because some people will reject the message. Don't be afraid, don't be cowards. Announce Jesus with deep conviction. Fifthly, rejoice at the prospect of the rewards reserved for the zealous messenger. Rejoice exceedingly. Kingdom of God brings joy. From this passage of the gospel, the participation of lay people in building the kingdom is stressed. The world of the unbelievers is vast. The priests have their role, but they are too few in numbers. But you must be organized. The priest and the laity are not in opposition. They must work in harmony. The church, Jesus organizes the saints for the sake of ministry. The whole church must be involved in building the kingdom, but harmoniously, to build the kingdom of justice, peace, brotherhood, and grace that Jesus brings to a world desperately in need of salvation. For this we are the designated herald. Bring a kingdom of peace, of justice, of unity, of love, and of service. Be a member of this body of Christ. May God bless you. We now pass to the instruction in French. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes au 7 juillet 2019. Écoutons donc les enseignements de cette messe. Les prêtres ne sont pas les seuls à prendre en charge l'évangélisation du monde. Voyons Jésus appeler 72 laïcs, en plus des 12 apôtres. Il les envoie préparer les chemins du Seigneur, côte à côte avec les 12 apôtres. Mais pour cela, prenons note des conditions qu'il prescrit. En premier lieu, il leur donne des charismes. S'ils travaillent à préparer la voie du Seigneur, s'ils travaillent dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour, ils seront investis du pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades.
Deuxièmement, ils doivent marcher deux par deux. Pas de ministère exercé tout seul. Un esprit de collaboration et d'unité doit caractériser les témoins de l'Évangile. Les évangélistes solitaires sont trop souvent vaniteux et trahissent ainsi le message qu'ils apportent. Oh, quel désastre! Troisièmement, il faut avoir une confiance absolue dans la providence divine et ne pas attendre qu'on ait de l'argent en poche avant de partir. Dieu seul procure le succès de la mission. On peut donc partir les mains vides. Quatrièmement, les peureux et les poltrons n'ont pas leur place dans cette mission. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, des persécutions et du rejet qu'on est susceptible de recevoir. Les champions de la foi doivent être inébranlables dans leur témoignage. Cinquièmement, une joie exultante doit rayonner sur leur visage. Ils récoltent déjà les fruits du royaume de Dieu qu'ils annoncent. La paix, la joie, la victoire du royaume à venir se reflètent déjà sur le visage du missionnaire authentique. Pas de visage long, de mine renfrognée dans leur rang, pas de plaignard, pas de querelleur. Réjouissez-vous, car le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Et toi, que fais-tu pour préparer les chemins du Seigneur? Ta foi serait-elle faible? Réveille-toi, ô toi qui dors, et le Seigneur t'illuminera. Combien nous bralons, bon, petite réflexion en créole sous même texte. Nous connaissons que Jésus t'a envoyé 12 apôtres, et l'y consacré, l'y ordonné aux prêtres. Il t'a dit, même j'ai un papa à voyer, moi voyer. Mais nous, ouais, Jésus, j'audia, en plus de 12 apôtres, il choisit 72 laïcs, les voyer, les même tout. Et il promet que la bio caricio, si il travaille dans l'harmonie, il n'y a pas une pour faire tête pour division avec apôtre à faire paille, s'il travaille pour le royaume de Dieu. Il est capable de chasser les démons et il est capable de guérir les malades. Deuxième condition, c'est pour y aller deux à deux. Parce que les gens qui veulent bâtir une communauté, une église. Les gens qui généralement veulent bâtir une église à pas, ils ont une tendance orgueilleuse. Ils comprennent que c'est peut-être intelligence, sur qualité, qu'ils ont bâti l'église. Ils ont oublié que c'est bon Dieu qui a fait l'église en grandir. Qui fait c'est pour nous aller deux par deux, pour nous entendre, parce que nous sommes membres d'un corps, nous pas pour qu'on te connaisse. Troisièmement, c'est pas pour nous donner l'argent. Nous ne devons pas partir, même si nous sommes vides, parce que l'assurance, c'est l'Esprit, bon Dieu, qui travaille avec vous. Qui fait, et vous pas chercher non plus, fait comme, peut-être pas. Assurance, c'est bon Dieu. Et bon Dieu va aider, même si deux maisons vides. Et cinquièmement, ce n'est pas pour toujours peur, pour toujours vouloir aller corps, toujours trembler. C'est pour qu'on ait que le travail, bon Dieu, ou pour rejoindre l'ennemi, ou pour rejoindre persécution, ou pour rejoindre le monde qui passe sur la bêtise. Mais figure pas de vie longue, comme soit plein tout le temps. C'est pour l'assurance que bon Dieu avec vous. Ou dans la paix, et même si vous fait violence sur vous, ou pas remettre violence là. Et c'est comme ça. Bon Dieu voulait voyer nous toutes, paix et laïque ensemble, pour nous travailler dans l'harmonie, pour nous bailler. Et t'en as pas annoncé pays côté bon Dieu. Waouh! Que pays côté bon Dieu, il doit paraître déjà le mythe en nous, le rapport que nous gagnons youn avec l'autre. Qui fait bon Dieu à voyer, pas peur, accepter. On dit non, on prend les corps. Bon Dieu, voyez pour que dans l'harmonie, dans tête ensemble, unité, corps, Christ là, ou même tout qu'à participer, l'empathie, l'ambitant société, je dis, hein, pays, côté bon Dieu, roi. C'est pour bon Dieu bénir. Emporter.
Yeah.